Tout le monde, salut, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui on va faire une vidéo tuto sur Rocket League. Donc c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube. Où les gars, aujourd'hui, ça va être genre, on va faire comment faire une aérienne rapide sur Rocket League. C'est mon premier tuto, donc j'ai un peu bégayé. Enfin, voilà, t'as capté. Donc voilà, du coup les gars, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, vous connaissez les bails. Donc les gars, je vais en entraînement libre pour vous faire le tuto. Du coup les gars, on est parti pour le tuto. Ok donc les gars, c'est bon, on est en entraînement libre. Donc voilà les gars, j'ai pris la petite Dominus qui fait plaisir. Donc les gars, je vais vous montrer un exemple d'une aérienne rapide, pardon. Donc voilà, donc c'est ça, ça consiste à faire ça. Bon, vous avez vu les gars, j'y vais vraiment genre rapidement en l'air. Donc les gars, je vous expliquais étape par étape comment faire une aérienne. Je suis dans le RSI, ça tombe con, je traîne. Donc les gars, première étape, déjà entraînez-vous à double saut comme ça, en mettant votre joystick en arrière. Donc les gars, faut faire vraiment attention de ne pas kebab, parce que quand vous le faites rapidement, genre hop, vous kebab comme ça. Et en fait, c'est le truc de kebab, enfin voilà. Alors c'est faut aller dans les paramètres. Et je crois que c'est là, c'est zone morte directionnelle de l'esquive. C'est ça, du coup, je crois que plus elle est haute, plus vous avez de chances de kebab, plus elle est basse, moins vous avez de chances de kebab. Je sais plus si c'était quoi de mon commentaire, mais dans moi c'est un truc comme ça. Donc moi je l'ai mis à 65, je suis comme ça, enfin voilà, t'as capté. Donc les gars, du coup, les gars, déjà entraînez-vous à faire ça, sans kebab bien sûr. Genre, joystick en arrière, double saut, sans boost. Déjà, ça c'est déjà pas mal, première étape, donc là voilà les gars. Du coup les gars, deuxième étape. Je la pète, faut que je paye la caution, mais pas grave, Poppy prête million. Après vous allez maîtriser ça, vous faites plusieurs fois. Après vous allez vous entraîner genre à faire ça. Déjà genre booster, genre, là il y a genre comme ça, genre comme ça. Enfin, ça c'est pour aller en avant et en même temps genre pour frapper la balle. Du coup vous allez faire pareil mais sur place. Donc vous allez faire ça. Comme ça. Sans le double saut déjà. Comme ça, vous appuyez sur X et rond en même temps. Du coup, X c'est pour sauter, ça dépend vos touches. X c'est pour sauter et rond c'est pour booster. Donc là, du coup, les gars, vous êtes déjà une première, deuxième étape. Hein. C'est déjà un pas en avant. Donc là, du coup, ça va faire ça, les gars. Je suis dans le barrio, via Mario. Ah, vous allez maîtriser ça. Du coup, les gars, après, vous allez faire un double saut. Dès que vous êtes comme ça, vous allez faire double saut. Comme ça. Du coup, dès que vous avez fait tac tac comme ça, vous allez en fait en même temps que vous avez double saut, quand vous êtes comme ça, vous allez maintenir toujours le boost et vous allez faire le double saut des X, donc ça donne ça. Bon, voilà, donc les vais faire plus doucement, ça va faire ça. Tac, hop. Sauf que là j'ai un peu loupé, donc tac tac. On voit un peu le double saut, ça fait une espèce d'un speed. Donc les gars, hop, genre comme ça, tac, hop hop, double saut. Enfin là, tu vois, j'étais comme ça, normalement faut pas... Normalement là, quand vous êtes dans une situation comme ça, ou que la balle, genre, vous la mettez là, genre la balle à cette hauteur là, vous avez pas besoin de faire une aérienne, vous avez juste à prendre un boost comme ça, mettre vos joystick en arrière et frapper comme ça la balle. Ça c'est juste une petite aérienne, genre, pour faire une touche. Et si la balle par contre elle est genre là-haut, genre tout là-haut, bah vous allez faire une aérienne rapide, donc... boost, du coup vous appuyez sur boost rond et hop double saut quand vous êtes comme ça et du coup là vous êtes en l'air rapidement. Du coup bah voilà les gars, dites moi en commentaire vous en pensez quoi de mon premier tuto. J'ai pas trop bégayé, en vrai j'ai assez bien expliqué, après ils vont pas bien comprendre mais c'est mon premier tuto. Dites moi si vous voulez des autres tutos aussi sur Rocket League, j'aimerais bien savoir genre qu'est-ce que vous voulez comme tuto, dites moi en commentaire. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Oh, mais qui vient de rentrer à mon Steam, on est pas ouf, mais voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. On est à 314 abonnés. Franchement les gars, on se rapproche du cap des 350. Vous savez les gars, mon objectif à la fin de l'année, c'est d'atteindre les 1000 abonnés, ça va être chaud, mais voilà, je vais charbonner. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo tuto vous aura plu. Et du coup, sur ce les gars, ciao. Ok donc les gars, du coup là on se retrouve là. Donc les gars, je vais vous faire montrer du coup. Là du coup j'ai la manette. Et du coup là pour faire le double saut, donc voilà, il y a une petite imprévue là, voilà. Donc en fait les gars là du coup vous avez rond et X. Donc pour faire le double saut en fait vous allez appuyer sur. Donc les gars en fait vous allez faire double saut, donc là, il y a rond, donc là, mais quand vous allez genre tac comme ça. Comme ça. Donc, déjà comme ça. Donc vous boostez en arrière et comme ça. Du coup là déjà ça. Et après quand vous serez arrivé du coup sur le tuto où la voiture sera comme ça, vous allez du coup faire le double saut en même temps toujours le boost. Donc ça fera tac tac. Du coup tac tac.
Voilà, du coup les gars, j'espère que, bah du coup voilà, donc je leur fais la boost rond, premier saut, donc la voiture comme ça, et vous avez double saut, tac tac. Et c'est super simple, et du coup vous serez rapidement en l'air. Tac, du coup hop hop, et là, dès que la voiture est comme ça, Voilà les gars, du coup bah... Je suis dans le barrio, via Mario, je rêve de dinero, je vais skiller pour yo.